Mon Dieu. Impossible d'ouvrir cette porte. Il doit y avoir un moyen de la forcer. Je me demande combien de gens sont morts ici. J'arrive à penser clairement aujourd'hui. Ce n'était pas le cas hier et ce ne le sera plus maintenant. Ils disent que le mal est en moi, que je suis possédée. Mais j'ai vu la bête dans mon cœur et ce n'est que moi, que mon esprit dérangé. Les prêtres refusent de m'écouter et je ne leur en veux pas. Certains jours, ma folie m'aveugle tellement qu'ils m'apparaissent comme des éclairs de douleur et de haine. Je crache et je hurle, car je suis démente. Mais je sais qu'il n'y a pas de démon dans mon cœur. Rien qu'une maladie, qu'aucun homme ne peut guérir. Possession démoniaque. Il pratiquait des exorcismes. Loin, sous le sol sacré de notre cité, nous avons trouvé la source de la corruption. Un tunnel tortueux remonte des entrailles de l'enfer et crache ses miasmes démoniaques. L'influence du démon se manifeste de diverses façons, mais sa marque est claire. Il pousse ses hommes à des propos et à des actes impies et les oblige à renier Dieu. Nous les amenons ici, aux portes de l'enfer, pour les purger du mal. Nous n'y parvenons pas tout le temps. Souvent, les malheureux sont trop atteints et ils meurent quand nous chassons le démon de leur corps. C'est déchirant de perdre autant d'âmes. Mais nous devons lutter contre le diable, sous toutes ses formes.
Oui, c'est bon. Ça doit être assez haut. Il faut juste que j'arrive à la pousser. Ça m'a l'air pas mal. Voyons si ça marche. C'est la formule du feu grégeois.